Salut à tous, c'est Damzou sur Europa Universalis 4. On fait ce que l'on peut dans le monde, dans un monde assez terrible, l'air de rien, parce que je me fais quand même ravager, vu que quand je me prends une guerre, c'est toujours France et Espagne qui viennent à deux. Et je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une alliance avec quelqu'un. Moins 900, moins 900, moins 900. Il n'y a aucun pays qui peut espérer faire une alliance avec moi. Et quoi, les Ottomans, pourquoi est-ce que les Ottomans voudraient pas s'allier avec moi? Il y a moins 7. La Russie, c'est beaucoup trop, la Hongrie. Pas un pays qui pourrait m'aider, je pense. De toute façon, dans les gros. Je veux savoir qui est un gros pays. Bon, il y a l'Ottoman. Le Danemark est considéré comme un gros pays. C'est une blague, ça. Et une possible alliance avec le Danemark, c'est moins 1000. Non, c'est avec lui que j'ai des très bonnes relations. Ah non, en fait, il y en a plein qui sont venus se rajouter d'un seul coup. C'est coucou, on était presque potes, maintenant on l'est plus. Manhattan qui s'est développé, c'est parfait. Ah ouais, je sais où est-ce que je vais vous envoyer. C'est chez les Illinois. La colonie s'appelle Riazan Outre-mer. Je pense qu'il y a un souci de texte là. Donc le Riazan Outre-mer, c'est lui. Il est stylé leur nom. Non, c'est de la merde, vous suivez. Mais bon, je m'en fous un petit peu totalement même. Alors, j'ai un colon qu'il va falloir que j'aille placer quelque part. Et un endroit qui m'intéresserait bien, ça serait de commencer l'Asie. Donc il va falloir que je prenne deux transporteurs là-dedans. Enfin, je vais en prendre trois précisément. Venez chercher ceux qui sont là. On avance ici. Et c'est parti. Ah mince, ils sont alliés à qui? À les Shawnee et les Wichitas. Il me semble que les Wichitas, ils étaient là justement. Ouais, non, ça c'est pas une bataille, une guerre qui est si facile que ça. Parce qu'il me faut une armée là-haut pour gérer. Sinon, ils vont se faire massacrer. C'est soit j'envoie mon armée ici. Je vais l'envoyer mon armée ici parce qu'on va aller s'occuper de Cusco. On va aller mettre une jolie claque à Cusco. Ça leur fera du bien. Alors là, ils étaient 2000, 3000, 5000, 500. Voilà, deux colis d'un coup là-bas. Toi, c'est fini, tu n'existes plus et on grossit. Mes dettes, normalement, elles. J'en ai encore une. J'ai rien dit, je pensais que je n'avais plus de dettes. Avec Tombouctou, j'en suis où? Je suis plutôt pas mal. Et on en est à plus 5. Dans 3 ans, c'est fini. Avec la récupération de Tombouctou, on devrait être pas mal. Point administratif. Donc normalement,
Lui, il a commencé à développer tout le coin. Et il y en avait un dans le coin ici ou pas? Lui, il fait du plus 30 quand même, c'est pas mal. Lui, dans le genre, si je le booste un petit peu. Ouais, à la fin de l'année, il y aura la science, ce sera sûr. Lui, je peux plus le booster. L'idée, c'est de trouver quand même des provinces qui pourraient améliorer. Celui-là, il a 72, mais il a déjà été boosté. Kong, le truc est tout petit à Kong. Kuma. Alors, on va exporter ça, mais bon, ça fonctionnera pas. Déjà, j'attends désespérément la pro, putain, l'Uruguay. Cassez-vous, les mecs. Vous, je vais vous mettre là où vous auriez dû être depuis longtemps, c'était ici. Ma flotte, est-ce qu'elle est arrivée en Afrique? Toujours pas. L'éclair, on va réussir à les tenir, je pense. Ils sont à 90%. Quand est-ce qu'en plus eux ils vont avoir fini d'intégrer ça? L'Espagne, ils me font trop peur. Ça y est, j'ai un casus belli sur eux. Je le fais tout de suite. Au hasard, j'en veux un sur les Andastes. Bah tiens, d'ailleurs, j'aurais dû commencer tout de suite par les Andastes. Ça aurait été plus logique. Et maintenant que je suis plus en guerre, offre d'alliance. La Norvège est prête à s'allier avec moi, youhou, la Bretagne. Donc c'est Norvège-Bretagne. Venise à moins 50, mais est-ce que Venise est une... C'est quoi Venise, mec? Vous pouvez m'expliquer? Venise, c'est une île. Ok, donc le pays qui serait le plus gros pour s'allier avec moi, c'est la Norvège. C'est le pays qui est en train de ramasser dans la gueule ma truc de taré. Donc lui, c'est à moins 8, mais ce serait, c'est pas faisable quoi qu'il arrive. Quoi, je pourrais faire un mariage royal avec lui? À moins 8. 59 siècles. Faut enlever le mode difficile. Mon armée qui l'aime pas. Et la distance des frontières, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose en fait qui nous bloque. Alors, on va prendre ça maintenant pour être tranquille. Encore une fois, j'ai flingué une quantité de points astronomiques, mais j'ai pas le choix. Est-ce que mes troupes sont en position pour le Cusco? Toujours pas. Donc, ça c'est qui? En fait, ils sont tous copains. C'est lui le grand leader et en plus il s'est rajouté les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, il y a une offre d'alliance possible ou pas? Non. L'Angleterre, à mon avis, pas du tout non plus. Ouais, non, le seul pays avec qui j'ai une... Pour échanger quelque chose, je pense que ce serait ce pays-là. Distance avec les frontières, la Suisse. Mais pas mal la Suisse, hein. Distance avec les frontières. Donc en fait, il faudrait que je trouve un pays africain qui voudrait m'aider. Soyons réalistes, un pays africain qui pourrait m'aider, ça n'existe pas. Donc il va encore falloir gérer une paix blanche pour la prochaine guerre. Là je sais pas, là j'ai l'air d'avoir planté. Ça a ressaisi. Ils en sont où là les 16 000? Ils sont presque là.
Ah, ici il y a deux armées et La Plata n'existe pas. C'est quoi? C'est des La Plata risanés. Mais je comprends vraiment pas pourquoi mon Mexique c'est de la merde comme ça. Comment mon Mexique peut ne pas s'en sortir? C'est un peu quand même le pays le plus baraque du coin. Vous, c'est le moment de tracer. Parce que je vous avais un peu oublié. Donc il me faudrait une colonie dans le coin. Non, allez, on va pas toucher aux colons tant qu'ils n'ont pas fini ce trajet. Ça y est, j'ai enfin fini de rembourser tout. Le Portugal est le premier à sortir de la trêve. Les autres, c'est au moins 2 ans plus tard. Au moins 1 an plus tard. J'ai 65 000 hommes, bravo. Donc si jamais je me tape une guerre, je suis encore dans la merde. Donc la question, c'est est-ce que je tente vraiment une guerre contre Cusco? La trêve s'étend même pas, en fait. C'est même pas des années, c'est juste des mois. Cusco, c'est un trop gros adversaire pour prendre un tel risque. On va aller aider les mecs qui sont en rébellion. Bon bah lui, il a plus de rébellion, c'est réglé. Vous, vous remontez. Et toi, tu peux pas te pointer là-bas? Non, bah tu vas quand même venir au Brésil, tu seras bien. Donc les Andastes, est-ce qu'il y en a qui sont un peu isolés? Chris, Micmac, Wichitas. Bon, quand on parle de pays isolés, je suis pas sûr qu'il y en ait réellement. Les Andastes, c'était eux. Bon, on va continuer quand même les revendications. Ma flotte, je ne l'ai pas. Voilà, donc ça c'est à la fois je récupère tout Tombouctou et à la fois j'ai des ennuis ailleurs. Là, la question c'est combien de temps la France, enfin combien de temps l'Espagne va me mettre avant de me réattaquer? C'est juste ça. Dans combien de temps je me fais attaquer? Et dans combien de temps je vais lui pleurer? Que là, ça n'avance pas. 63 ans, mon héritier, il est prêt. Et il est nul, on va pas se mentir. Perdons du prestige. Ma flotte, je peux pas l'évoluer. Et troupes terrestres, ben, je suis totalement dans la merde. Peut-être moyen de récupérer les troupes terrestres prochainement ici. 200 colons, j'irai voir ça, attendez, puis savoir le XG des troupes, c'est dans 16 ans. Ok. Alors, il va m'en falloir un petit groupe là-bas. Voilà, en fait, je peux pas faire mieux que ça. Puissance commerciale, c'est intéressant. À 900, est-ce qu'ils vont gérer à gérer? Si j'arrive à gérer, c'est impeccable. Voilà. Mon implantation en Asie. Ils sont partis en guerre contre Cusco. Si les Espagnols sont partis en guerre contre Cusco, nous aussi on peut le faire. Toi, je veux que tu m'esquives ça et que tu partes là-bas tout de suite. Et le Mexique, bordel, est-ce que tu peux enfin trouver des troupes? Comment tu fais pour être si mauvais? Je sais que je fais que de me répéter, mais je ne comprends pas comment tu fais pour être si mauvais.
C'est qui eux en fait? C'est les Outaouais. Les Outaouais, c'est eux et ils sont alliés avec la moitié du monde. Andaste, c'est fini. Toi, tu es avec les Outaouais. Donc, toi, tu vas voir les Micmacs. Et voilà. Et dans 50 jours, Andaste. C'est une blague, mec. T'attaques un mec que tu peux pas attaquer. Donc, je ne comprends pas le principe de ta guerre. Le Mexique, il me fait peur là. C'est quoi cette gestion du Mexique? Comment tu gères ton pays, bordel? Solde, moins 8. Pourquoi t'as une dépense aussi élevée? Maintenance de l'armée, droits de douane, maintenance des colonies, forteresse. Bon. On va pas faire n'importe quoi. Ils sont mauvais, c'est pas grave. Vous allez aller récupérer une troupe là-bas et on va aller les libérer. Et maintenant, je suis officiellement le deuxième pays et j'ai 728 de développement propre. Waouh! C'est pas génial, mais c'est pas grave. Donc, mes rivaux. Je peux mettre le Bengale, sincèrement, j'en ai rien à cirer. Mais ils ont tous plus de trucs que moi, ça qui est énorme. Est-ce que j'ai un intérêt à essayer de faire un lien avec eux? Toi, t'es en guerre contre qui? La Russie, la Hongrie, la Valachie. C'est qui tes rivaux? En fait, on a l'ennemi d'un ennemi, c'est quelque chose qui fait qu'on s'en sort bien entre nous. Bon, je vais quand même mettre la Grande-Bretagne. Je suis plus fort que eux, c'est cool. Alors, j'ai perdu un conseiller, ça m'arrive tous les temps. Normalement, j'ai des plus 3 pas chers. Parfait, agitation dans le pays. Il devrait passer inaperçu. Ça, c'est la frégate qui bosse très bien. Mais franchement, je me trouve vraiment dans un pays, j'ai jamais vu ça. Il y a une coalition contre Hambourg ou contre... Oh, la Bohème, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Regarde l'alliance, c'est tac, 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 tac. Ah ouais, quand même, elle est pas mal. Ah, ça y est, ils ont annexé Naples. Là, ici, est-ce que j'ai un casus belli? J'en ai un. Pixoba, non. Chapoya, non. Waraz. Ah ça y est, on est... Ah non, c'est juste encore un truc à la con ici, tac. Voilà, je les ai tous faits. Toi tu vas décaler là, toi tu vas décaler là. Tac, tu passes ça. Jorora, Joja. Ah là, l'ère des absolutismes. Alors maintenant l'absolutisme entre en vigueur. Surtout, est-ce que je peux faire quelque chose rapidement? Avoir 200 000 hommes, j'en suis très très loin. L'absolutisme, il va commencer à peine à monter. Empereur de Chine, je le saurai jamais. Ça, je suis dans la merde. Ça, je l'aurai jamais. Des compagnies commerciales, il faut que je migre ailleurs. Et les universités, bon bah ça peut se faire. Moi, ça coûte une université. Bon, ça coûte cher.
Voilà, ça en fait 3 déjà de lancer et les deux prochaines ce sera ces deux-là. Combien est-ce que je gagne? Je gagne 26 par mois. Ah ouais, 26. Là j'ai des revenus. Vous, vous rentrez dans les bateaux parce qu'il va falloir aller sauver. Non, c'est bon, ils se sont sauvés tout seuls. Donc vous sortez des bateaux, on va sauver les tonnes. Merci, laissez travailler les gens. Donc, Cusco devrait pas nous poser réellement des problèmes. Surtout si en plus j'ai la voie libre jusqu'à la capitale. Du coup, je me demande l'Espagne par où ils sont passés pour faire cette guerre. Ici, c'est pas là. Ici, c'est pas Cusco plutôt que rattaquer. On fait quand même deux fois que je réussis à battre l'Espagne. Moi, je m'applaudis. Oui, je sais, je me lanceflore tout seul, mais ça me fait plaisir. Alors, il y a pas encore celui-là. Outaouais. Ah ouais, du coup les Outaouais ça me passe à 5. Bande de relous de la vie quoi. Tiens, les Abénakis n'ont plus d'alliés. Micmac, ils ont que les Potawam. Les Potawam, ils sont où? Potapom, ils sont loin. Donc en fait, et non, ils sont trop loin aussi. Il n'y a que des systèmes compliqués ici. Ils peuvent pas se déplacer de manière à ce que tout leur territoire tombe en 3 secondes et c'est fini. Toi tu passes là, toi tu passes là. Bon Cusco, on est simple, hein, on se tape pas dessus. Je suis gentil, je te rase. Et on est quitte. Ça fait quoi? Un de cavalerie et du ravitaillement max. Prochaine doctrine. Ah, j'avance quand même. À mon avis, j'en ai pour plus de 1000 ducats, donc c'est le moment d'économiser. J'ai fait bouger mon armée qui était sur la capitale. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de génie. Non, c'est lui que je vais bouger sincèrement. Je m'en fous de bouger juste 1000 hommes. C'est pas mon intérêt principal de bouger que 1000 hommes. Ok, là c'est bon. Donc du coup, ben, je vais me faire une deuxième revendication ici. Je vais me faire une autre petite revendication ici. Puis vous revenez à la maison. Puis on va regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à revendiquer. Comme les crises par exemple. Toi aussi, c'est quand même intéressant. Enfin, dès que j'ai du personnel pour le faire. Voilà, l'éclair, c'est fini. Du coup, je vais leur rendre leur province que je leur ai enlevée. C'est simple, c'est la seule grosse province du coin. C'est un 16 de dev. C'était celui-là? Ah, c'est peut-être devenu un 21 de dev. Non, c'est pas une mine d'or que je leur aurais donné, c'est sûr. Bon, c'est peut-être que 15, je me suis trompé. Bim, comme ça, il m'emmerde plus. Et de toute façon, ils sont tous calmés. L'implantation en Asie commence très bien. On est sur toutes les forteresses du coup. Vous faut venir ici, vous faut venir là. Non, celui-là j'y ai pas accès, et celui-là non plus j'y ai pas accès.
Et rien à foutre de Killua. D'ailleurs, un jour, va falloir que j'aille expliquer à Killua que c'est qui le patron. Allez, on va prendre un petit boost ici. Exiger la contribution. Ça me fait passer à 40, mais ça me fait gagner 600 ducats, ce qui est important. L'éclair, ils ont défendu la dîme, ce qui me fout un peu dans la merde. Et eux ici, ils ont rien de spécial pour le moment. Ok. Donc nous, il va falloir que... Ah, la Suisse a déclaré la guerre à l'Autriche. Du coup, qui est dans ce conflit? J'ai que des pays pourris. Ah, en fait, oui, au niveau des États, moi, il serait peut-être temps que j'en fasse un peu plus. Non, celui-là, il n'est pas intéressant pour le moment. Celui-là, il est catastrophique, mais il m'en faut. Celui-là, il est pas mal. Non. Celui-là, il est convenable. Celui-là, il sera jamais fait. Celui-là, il me va pas trop mal non plus. Non, 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 non. Et non. Ok, ils ont tous été faits. Ce qui devrait me booster légèrement. Et du coup, qui c'est qui est pas content? C'est l'éclair et les boyards qui veulent un peu plus de terrain. Hop, on repasse ici. Ça, c'est donné à quelqu'un ou à personne? À personne. Et ben, ce sera donné au clair. Voilà, maintenant, il faut trouver un truc pour les boyards. Boyards. Voilà. Du coup, les boyards qui sont à 68%. Recruter le ministre, je le ferais bien, ça. J'ai fait de la merde. Bon, 3 ans. Dans 3 ans, le conquistador, c'est par balle. En fait, c'est pas fait exprès, mais ça s'est arrangé. Normalement, c'est celui-là, du coup, que je vais pouvoir recruter. J'ai les 1000 pour pouvoir acheter sans problème la prochaine. Le siège de Cusco, c'est parfait. Avec Cusco qui est tombé, on est largement bien. Parce que le but, c'étant juste de faire quelque chose comme ça. À vrai dire, même, hop, on annule ça et on vient les bloquer ici. Moi, ça me va très bien. Je vais regarder la carte coloniale. Région coloniale. Du coup, tout est pour le Pérou, quoi qu'il arrive. D'accord. Ok. Et des sous. Non, ils veulent pas son maximum, il y en a que 100 et quelques. On s'en fout. Voilà. Pour le Pérou. L'idée, c'est de les avoir bloqués un peu partout. Donc là, le Pérou devrait certainement pouvoir se réveiller un petit peu. Maintenant, je vais quand même... là, ici, je vais laisser la moitié d'une armée. Attendez. C'est qui, eux? Ok, donc c'est vous qui partez faire un tour en Amérique du Nord. Parce qu'il va quand même falloir que j'aille faire mon tour en Amérique du Nord. Mon Canada, est-ce qu'il pourra se former un jour? On l'espère toujours. 600, le point de mercantilisme. Et s'il gagne 10, il passerait à 80. Est-ce qu'il perd quelque chose dans pas longtemps? 21, 17, 34, 22. Ah, et en plus, il y a un moins sur ça. Mais le moins, c'est jusqu'en 22, et ça, c'est jusqu'au 27. En 21, il y aura ça avant. On tente. L'idée maintenant, c'est...
Ça veut dire que quelqu'un a colonisé un terrain que je devais coloniser? Ouais. Putain, depuis le temps que j'oublie celui-là. Ah, le rival d'un rival, le Danemark. Est-ce qu'il y a des vraies possibilités que ça se fasse? C'est des possibilités que ça se fasse, donc autant tenter. Je vais quand même mettre des embargos avant. T'es mon rival, on va imposer l'embargo. On va imposer l'embargo aussi. Le rival suivant, c'est qui déjà? C'est le Bengale, hop. Ouais, c'est cool. Et on va améliorer les relations avec le Danemark. 82, le mariage marial, on est à moins. Il y a toujours la distance avec les frontières qui est apparue d'un seul coup. Et il n'y a rien de nouveau à vouloir, à devoir être fait. Là, j'ai juste bien renforcé le Pérou. Tac. Vous vous cassez. Je crois que à cette vitesse-là, je vais perdre Panama si je le fais pas. Kilwa, il y a bien un moment où je trouverai une occasion de me les faire. Eux, je les laisse ici parce que ça sent la révolte dans le coin. Les Illinois, ils sont alliés toujours aux Shawnee. Alors, c'est le moment de faire un tour. Non, trop d'alliés. Potawatomi, c'est dommage. Les Lenapes, les Potawatomi. Bon, on va commencer la carrière. Bon, ce sera pas une grosse carrière, mais au moins il faut commencer un peu à grossir. Et je vois que ça fait une demi-heure, donc on va s'arrêter là. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Et on se retrouvera.